Le rapporteur du comité des partis politiques du dialogue national, le DN, Ihab Tamawi, a affirmé que la direction politique et toutes les institutions de l'État soutenaient le succès du DN, ce qui était évident dans les déclarations du président Abdel Fattah el-Sisi lors de la conférence nationale des jeunes en juin dernier. Le comité a tenu deux séances dans le cadre des activités du DN qui ont duré plus de 8 heures afin d'y discuter des règles pour promouvoir et soutenir l'activité des partis et la gouvernance financière et administrative au sein des partis, a expliqué M. Tamawi dans ses déclarations. Il a souligné que les débats au cours de deux séances ont été très riches, notant l'intérêt des partis politiques, des experts, des spécialistes et des hommes politiques à présenter des visions écrites en plus de leur participation aux séances. L'Égypte et la Turquie ont annoncé le rétablissement de leurs relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs. Le côté égyptien a posé la candidature de Amr el-Hamami au poste d'ambassadeur d'Égypte à Ankara, alors que la Turquie a nommé Salih Multu Sen comme ambassadeur au Caire. Selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, cette mesure, qui est en application des décisions des présidents de deux pays, vise au retour à la normale des relations bilatérales et reflète la détermination de deux directions à œuvrer conjointement pour conforter des rapports pour l'intérêt des deux peuples égyptiens et turcs. L'histoire de l'Égypte a des jours brillants comme des étoiles. Ces jours illuminent les ténèbres et dissipent l'obscurité de la tyrannie, a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi dans son discours à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du 30 juin. L'histoire de l'Égypte a des jours brillants comme des étoiles. Ces jours illuminent les ténèbres et dissipent l'obscurité de la tyrannie, a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi dans son discours à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du 30 juin. Le peuple s'est soulevé pour rejeter l'injustice, le sectarisme et la tyrannie, déclarant d'une voix forte et ferme ayant retenti dans le monde. L'identité de la patrie est purement égyptienne et n'accepte pas les enlèvements, ni est engagée contre n'importe quelle autre chose. Le volume des défis auxquels a fait face le peuple égyptien depuis 2011 a ancré dans les esprits une solidité unique et a doté le peuple d'une puissance sans précédent, a souligné le président el-Sisi. Le peuple égyptien a enduré la menace de la perte de la nation et des richesses, ce qui me rend confiant que cette génération du peuple est la plus apte à assumer la responsabilité de la construction de la nation et de la nouvelle république avancée, a affirmé le président. Les sacrifices présentés par le peuple égyptien et les institutions nationales sont énormes et ne seront couronnés que de victoires, a souligné Sisi. Le chef de l'État a ajouté que l'Égypte poursuivra ses efforts et avancera à pas sûr sur la voie du développement et de la construction pour améliorer la qualité de vie des citoyens et leur assurer de meilleures conditions de vie. Il faut exploiter toutes les capacités de travail et de créativité chez le peuple égyptien avec toutes ses classes, a réitéré le président el-Sisi. L'Égypte a condamné dans les termes les plus forts les récentes agressions israéliennes contre Jénine, la Cisjordanie et les territoires occupés qui constituent un usage excessif et aléatoire de la force et qu'inscrivent dans la série des violations successives et continues du droit international, du droit humanitaire international et de la légitimité internationale. L'Égypte a condamné dans les termes les plus forts les récentes agressions israéliennes contre Jénine, la Cisjordanie et les territoires occupés qui constituent un usage excessif et aléatoire de la force et qui s'inscrivent dans la série des violations successives et continues du droit international, du droit humanitaire international et de la légitimité internationale. Le Caire a mis en garde contre les conséquences de l'escalade des agressions israéliennes à El-Quds, Jénine, dans la bande de Gaza et tous les territoires occupés pour la sécurité et la paix de la région, selon l'allocution prononcée au nom de l'Égypte par le délégué adjoint et directeur des affaires de la Ligue arabe au ministère des Affaires étrangères, Obaida El-Danfadawi, lors de la séance inaugurale extraordinaire du Conseil de la Ligue au niveau des délégués permanents. L'Égypte avertit des lourdes conséquences de l'escalade israélienne et du sabotage des efforts qu'elle a déployés avec les partenaires concernés pour éviter l'effusion de sang des Palestiniens,
appelant les acteurs internationaux à intervenir pour leur assurer une protection et mettre fin à ces violations. La communauté internationale doit prendre ses responsabilités envers la cause palestinienne juste afin de préserver la crédibilité des principes et des fondements du droit international qu'elle prône dans d'autres dossiers. Le Caire adresse ses condoléances aux familles des victimes et souligne l'importance de maintenir le rôle de protecteur des sanctuaires d'Al-Quds de la Jordanie et rejette les agissements d'Israël visant à entraver son action. Le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, Hassan Abdallah, a prononcé l'allocution de l'Égypte lors de la session annuelle du Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial PAM, tenue vendredi à Rome. Le Conseil d'administration a approuvé le plan stratégique du PAM pour l'Égypte pour les 5 prochaines années 2023-2028 d'une valeur de 431 millions de dollars. Lors de son allocution, le gouverneur de la BCE a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte dans les domaines d'intervention du PAM en Égypte, ainsi que dans le cadre de son prochain plan, qui s'élève à environ 431 millions de dollars. Sur Abdallah a en entretien avec la directrice opérationnelle du PAM, Cindy McCain, avec qui il a discuté du partenariat de coopération productive entre les deux parties et des activités du PAM en Égypte en ce qui concerne l'inclusion financière en faveur des petits cultivateurs qui reçoivent également un soutien technique. Le ministère de la Planification et du Développement économique a signé un protocole de coopération tripartite avec le projet Management Institute et Brisk Company dans le domaine du développement capacité de la gestion de projet. Le protocole a été signé par le sous-secrétaire permanent du ministère, Khaled Mustafa, le directeur exécutif du PMI au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Gras Nadjar, et le chef du BRICS, Ahmed Aziz. Le service d'information du gouvernement, le SIG, a démenti la réduction des sommes affectées dans le budget public 2023-2024 au secteur de la santé, de l'enseignement, de la recherche scientifique. Sollicité par le SIG, le ministère des Finances a expliqué que les dépenses consacrées à la santé sont passées de 397 milliards de livres égyptiens à 304,5 milliards de livres égyptiens, à l'enseignement préuniversitaire et universitaire de 476 milliards de livres égyptiens à 591,9 milliards de livres égyptiens et à la recherche scientifique de 84,8 milliards de livres égyptiens à 99,6 milliards de livres égyptiens. Le SIG a appelé les médias et les internautes à vérifier les informations avant de les propager pour éviter de semer la confusion dans l'opinion publique. La zone économique du canal de Suez a réussi à attirer durant l'exercice 2022-2023 d'importants investissements et contrats avec de grandes firmes intéressées de s'implanter dans la partie industrielle. Dans un rapport publié hier, la SC Zone avait réussi à renforcer la compétitivité par rapport aux zones environnantes, devenant ainsi un centre logistique, industriel et commercial de premier plan et une porte principale vers le continent africain et les marchés mondiaux. Citons le dossier de combustible vert, le rapport évoque la signature de 23 mémorandums d'entente pour sa production avec différentes compagnies internationales, dont 9 accords signés en marge de la COP27. La ministre de la Culture, Nevin El-Kileni, a assisté à la cérémonie organisée par l'Opéra sur le Grand Théâtre à l'occasion du 10e anniversaire de la Révolution du 30 juin et de la fin de sa saison artistique 2022-2023. La cérémonie a été animée par la troupe musicale du maestro Mustafa Helmi. La ministre a loué la performance des stars de l'Opéra et des jeunes talents prometteurs qui confirme toujours la puissance de l'art égyptien et donne l'espoir dans les nouvelles générations.
Le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, a demandé de faciliter l'achèvement des procédures douanières pour les pèlerins et d'accorder une priorité particulière aux personnes âgées et aux malades. Dans un communiqué, Dr Maït a exprimé son appréciation pour les efforts du personnel du bureau de douane qui travaille jour et nuit à atteindre les objectifs douaniers en procédant au recrutement optimal de la technologie moderne dans la rapidité et la précision de la réalisation en vue de jeter les bases d'un environnement du travail numérique plus sophistiqué, d'une gouvernance basée sur la liaison des ports à la plateforme électronique unifiée NAFESA et au centre logistique développé et l'application du système de pré-doudouanement. Pour sa part, le chef de l'autorité douanière, Shahat Ratouri, a fait état de l'augmentation des nombres d'agents de douane en conformité aux efforts d'intensification du travail dans les salles d'arrivée et des ports, parallèlement au vol de retour des pèlerins, notant l'attachement des directeurs du bureau douanier à la présence continue dans les aéroports et les ports pour libérer rapidement les bagages des passagers.